Grace come, grace come, grace come, grace come, praise God, praise God. 'Twas grace that taught my heart to fail. C'est la grâce qui a enseigné mon cœur à craindre. My fears really. Et c'est la grâce qui a enlevé mes craintes. How precious day that grace appeared. Combien précieuse cette grâce est apparue. I first believe. À l'heure où j'ai cru pour la première fois. Gloire à Dieu. À travers de nombreux dangers et de nombreux pièges, je suis déjà passé. C'est la grâce qui m'a amené en sécurité jusqu'ici. Et c'est la grâce qui me ramènera à la maison. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions. Tu aurais pu nous laisser endormir dans les dénominations ou dans le monde, mais tu nous as réveillés avec le message d'un prophète. Combien nous te remercions et nous te louons. Amen. Eh bien, ce soir, que pouvons-nous dire? Tant de bénédictions. Je sais que c'est une grâce étonnante pour moi, parce que je sais d'où je viens. Et ça a été un dur combat de croire le véritable message du prophète, le noyau intérieur. Merci Seigneur pour l'inspiration et la révélation. Il ne devait pas le faire, mais il l'a fait. Ainsi, ce soir, il y a une ligne de prière. Et je veux prendre un peu d'inspiration pour vous inspirer que vous allez être guéri. Vous allez recevoir ce que vous êtes venu chercher. Je le crois de tout mon cœur, sinon je ne le dirais pas. Amen. Ces promesses. Nous avons des messages, des gens dans le message qui attendent et qui n'entrent pas. Comme Frère Billy nous disait ici, Branham, en 1960, je pense. L'esprit américain est dur, ça vous tue. J'étais en Europe et le premier soir, le vendredi soir, les gens étaient fatigués venant de Pologne, d'Italie et le Saint-Esprit s'est déversé. Et ici, nous martelons, étant à moitié mort là devant les ministres, essayant que l'esprit américain s'ouvre, voir la gloire de Dieu resplendir dans votre âme.
Well, amen. So we trust and pray that these meetings. Ainsi nous croyons que ces réunions. Shaking that American spirit off of you. Ont secoué, ont enlevé cet esprit américain. We did our best, amen. Nous avons fait notre mieux. To have some meetings where we. Pour avoir des réunions. Around inspiration. Sous inspiration. Feel the Holy Spirit would come on the word. Où nous sentons le Saint-Esprit qui vient sur la parole. C'est ce que le prophète a dit. We preach by revelation. Ainsi nous prêchons par révélation. So these meetings were designed. Donc ces réunions étaient conçues. Like we had a little mini special earthquake. To wake up New York City. Nous avons eu plusieurs Amen. Petits tremblements de terre pour réveiller New York City. Si c'était le dernier, nous savons qu'il va venir. Et ceci est la 40e année et nous allons terminer ici le 6 mai, je pense, ou le 7 mai 1946. Depuis 1946, c'est la dernière génération. Et Dieu est allé chercher une épouse. So we know that the prophet nous savons que le prophète a apporté les semences de Dieu, mais les fils de Dieu devaient venir pour le croire. Et les ministres doivent le prêcher. Amen. So therefore, ainsi donc, praise God, and so we feel maybe by the end of the 40th year, nous sentons qu'à la fin de la 40e année, toutes les semences que le prophète a semées, et nous croyons que ces promesses vont être manifestées pour le 7 mai 1986. Can do more in one year. Alors Dieu pourra faire plus en un an que les théologiens ont manqué de faire en 2000 ans. So don't worry, you'll find out, ainsi, ne vous inquiétez pas, vous allez découvrir, Amen. Gloire à Dieu. Praise God. Louange au Seigneur. So, the manifestation will be the interpretation. La manifestation sera l'interprétation. Everybody will be happy to have the praise of God according et tout le monde sera content avec la louange de Dieu. Selon Apocalypse 5, nous avons tous été des stewards, des outils d'administration de Dieu. Mais comment manions-nous ces mystères? Dieu va décider qui les a maniés correctement et il dira, venez, et il vient avec sa réponse avec lui, alors il nous placera dans Apocalypse 22, 10, 12, là. Et certaines personnes seront prises en penchant d'un certain côté. Donc si vous êtes souillé, il a dit, ce sont les vierges folles dans Daniel qui sont prises là, étant souillées. Et c'est l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes pris dans l'état où vous essayez d'être juste, c'est l'état dans lequel vous êtes. Et si vous êtes pris dans l'état où vous essayez d'aider les gens, bien vous serez pris là-dedans. Pas en attendant que quelque chose se passe. Oh, que ce soit loin de moi de rester assis et d'attendre quelque chose. Non. Dieu m'a donné le pays et je vais m'en emparer. Qu'est-ce que le pays, vous savez ce que c'est? Prouvez sa parole. Le nouveau pays, le Fils de l'homme. C'est ça le pays. Ça veut dire que le Fils de l'homme, le Saint-Esprit, c'est ça le pays. Le pays des promesses. Qui ruisselle de lait de miel. Gloire à Dieu. Allons, Caleb. It's a good land. C'est un bon pays. Give your testimony. Donnez votre témoignage. God, big, gigantic grapes over there. Il y a de grosses grappes là-bas. The grapes are so big, God made big les grappes grapes tellement for grosses the 10 ministers to see those grapes. Que Dieu a fait que and ces grappes soient grosses grapes, pour que les 10 ministres voient. The grapes, et ils ont goûté aux grappes said, et malgré nothing. Tout, ils disent il n'y a rien. Kind of reminds me of Elijah. Ça me rappelle un peu Élie. Praise God in 1 Kings 18. Dans 1 Roi 18, there they had the showdown with Baal and all the 400. Il y avait la démonstration finale avec Baal et les 400, puis il a présenté le message des sept sceaux, déversé de l'eau là, et le feu a léché l'eau, les pierres et tout, et il a défié les prophètes de Baal. Et là, le sacrifice des sept sceaux était déposé, Dieu a envoyé du feu du ciel. Et il a reçu ce sacrifice. Et puis Élie a dit, j'entends le bruit d'une abondance de pluie. Et malgré tout, il y a des croyants qui ne bougeaient pas. Et alors, Élie a intercédé, son serviteur a dit, dans le message, il n'y a rien. C'était son fardeau, rien ne bougeait. Et cependant, Élie avait déjà parlé, il avait déjà dit, j'entends le bruit d'une abondance de pluie. Et Frère Branham a dit,
au premier mouvement, surnaturel, c'est la main de Dieu. Il n'y avait pas de nuage. Élie a prié. Élie prie, il n'y avait pas de nuage. Et puis il a dit à son serviteur, il y avait ce fardeau en disant qu'il n'y a rien. Il y a des gens qui ont le fardeau, il n'y a rien qui se passe, ils attendent. Et certains ont un fardeau, que tout est en train de se passer. Gloire à Dieu. C'est ainsi que je me sens. Quelque chose se passe. Lorsque le prophète de Dieu a parlé, alors quelque chose se passe. Les démons reculent, frère. L'épouse commence à sortir. Et vous dites que rien n'est arrivé. Comment êtes-vous arrivé ici? D'où venez-vous? Où allez-vous? Gloire à Dieu. Le prophète a parlé la parole et vous voici. Et vous dites qu'il n'y a rien. Gloire à Dieu. Vous avez été rachetés. Que les rachetés le disent. Quelque chose s'est passé. Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as rempli. Gloire à Dieu. Alléluia, tu m'as guéri. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Je te remercie. Gloire à Dieu. Oh, je ne peux pas rester là avec un groupe d'incrédules. Et alors, vers 1986, le serviteur, il ne se passe rien dans le message. Élie a répondu là dans les bandes, dans son temps et dans sa saison. Il a dit, remontez, va voir cette fois. Alors, vous allez voir que quelque chose s'est passé. Montez les sept marches, gloire à Dieu. Allez voir au sommet là, une nuée comme une main d'homme. Un mouvement surnaturel. Je sens, gloire à Dieu. J'entends le son là au sommet des mûriers. Cette parole signifie un bruit de pas au sommet des mûriers. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez? Gloire! Eh bien, gloire au Seigneur! Eh bien, nous voici. J'invite votre attention dans la lecture des Saintes Écritures, dans Genèse 22, Ésaïe 28, et Galates 3, si vous voulez trouver un marque-page, là. Ainsi, gloire à Dieu, que ces réunions nous réveillent. Soyez prêts quand il viendra. Ne soyez pas pris avec votre travail inachevé. Soyez prêts quand il viendra. Oh là là. Amen. Say amen, somebody. Que quelqu'un dise amen. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Amen, brother Tom. Amen, frère Tom. Well, eh bien, Genesis 22, what's it going Genèse 22, qu'est-ce que ce sera? Amen. Au verset 15, et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, par moi-même j'ai juré, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai abondant ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, je pose en Sion comme fondement une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui croit ne se hâtera pas dans la 40e année. Et la 40e, le Seigneur tarde. Vous ne devrez pas vous inquiéter parce que vous avez touché cette pierre, cette précieuse pierre, cette pierre angulaire, cette pierre de tête. Vous savez d'où vous venez, vous savez où vous allez. Alléluia. Amen. Praise God, you put the headstone on the right place, on the top of that pyramid. Vous avez placé la pierre de fête au bon endroit, là, au sommet de la pyramide. Apocalypse 3:16. À Galates plutôt. C'est à Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa semence, il ne dit pas, et aux semences comme plusieurs, mais en parlant d'un seul, à ta semence qui est Christ. Et au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a mâle, ni femelle. Car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous êtes de Christ, vous êtes la semence d'Abraham, héritier selon la promesse que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture. Sa parole comme la tête dans un mot de prière. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu la parole de Dieu que ton prophète
nous a ramenés dans la Bible à nouveau. Et Seigneur, chaque semence était révélée ici comme un message, la parole révélée, des semences qui bougent, vivifiantes. Et Seigneur Dieu, alors que nous parlons la parole seulement, gloire à Dieu, qu'il puisse venir une telle présence de Dieu et que la bouche des critiques soit fermée. Gloire à Dieu et la gloire de Dieu qui se répand dans le bâtiment. Et Seigneur, qu'elle descende et qu'elle enlève tout le mal. Un tel flot du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Allons là dans les chaises roulantes et que les gens se lèvent et qu'ils marchent. Oh, hallelujah, Père. Ton prophète a eu de telles réunions. Il nous a promis d'avoir ce genre de réunion. Amen. Si seulement nous pouvons croire, il l'a promis à la semence d'Abraham. Pas à des semences au pluriel, mais à ta semence qui est Jésus-Christ. Et Seigneur Dieu, que nous puissions nous emparer de cette promesse ce soir et qu'il n'y ait pas une seule personne faible qui reste dans le bâtiment. Gloire à Dieu. Que chacun soit guéri et scellé et délivré, quelle que soit l'affliction dans leur corps ou dans leur esprit. Oint ta parole et la prédication, Seigneur, et qu'elle trouve la bonne onction et confirme-la avec des signes, prodiges et miracles. Nous prions demandant la bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous asseoir. Eh bien, gloire à Dieu, j'ai un titre, un super signe, Dieu et l'homme ensemble. J'ai un sujet, la manifestation de l'épouse super signe royale. Et mon inspiration est ta semence, possédera les portes de ses ennemis. Gloire à Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Maintenant, nous sommes dans la parole. De retour à la Bible. Gloire. J'ai trois questions. Et nous voulons la réponse par la parole. Numéro un. Qui est la super semence royale? Numéro deux. Quel est le super signe? Et numéro trois. Comment pouvons-nous devenir des semences de la super signe royal. Hier soir, nous avons parlé de persévérance. Nous avons lu là, paragraphe 12 dans Persévérance, il parle de l'atmosphère, prêcher pour le salut. Madame a dit, si vous voulez l'atmosphère pour la guérison, vous recevez l'onction vous-même par la parole de Dieu. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Si vous voulez l'atmosphère pour la guérison, allez chercher les promesses révélées par le prophète et dans la Bible, ce que dit la Bible, et vous prêchez ça. Et alors, l'onction va venir pour la guérison. Amen. Il dit, vous recevez l'onction vous-même par la parole de Dieu, tout comme le prophète devait aller la chercher par la parole. Et ensuite, numéro 2, après avoir reçu l'onction, la parole pour la saison, le temps, alors donnez-la aux gens. Et numéro 3, et cela place le groupe entier dans l'onction qui vient de la parole que vous avez vous-même. Alléluia. Jésus est à moi, Jésus est le mien. Et cela place tout le groupe dans l'onction pour une certaine chose, pour que quelque chose se passe. Et il continue en parlant. Et maintenant, nous voulons nous amener plus haut dans la même atmosphère. Ainsi, le prophète devait avoir la parole pour la deuxième venue de Christ, essayant. Il était là dans les années 50 pour amener le message du second pôle, essayant de préparer les pentecôtistes pour la venue du Seigneur. Ainsi donc, il devait amener la parole pour la venue du Seigneur pour cette saison, pour le mettre en saison. Paul a parlé la parole et c'est sorti dans l'espace. Et Malachi 4 est venu dans cette génération et il est allé chercher ses semences. Paul a parlé dans les derniers jours, ce seront des temps périlleux. 2 Timothée 3. Qui comprenait 2 Timothée 3? Malachi 4 est allé chercher cela et il a révélé ça dans l'âge intellectuel. En sachant qu'il devait faire face à ces esprits américains intellectuels, et il est sorti avec la parole du Seigneur.
Il était commissionné d'aller chercher ces semences, et le diable ne pouvait pas l'arrêter, parce que ma semence ne reviendra pas à moi sans effet. Ma parole, elle accomplira le but pour lequel je l'ai envoyé. Gloire à Dieu, amen. Ne pas rester ici en attendant. Non, c'est déjà en train de se passer. Que ce soit loin de moi. Le prophète a appelé des hommes formés par Dieu pour le suivre. Comme les pompiers à Louisville, le capitaine. Allons les gars. Et avant, il était le premier à manier la hache et au sommet de l'échelle. Oh, hallelujah. Be under the night on the expectation. Soyez dans l'expectative. Malachi 4 a dit, élevez l'expectative et l'atmosphère et puis amenez cela un peu plus haut. Et frère Branham l'a amené un peu plus haut et l'a amené dans 1 Thessaloniciens 4:16 où nous sommes maintenant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Le prophète a trouvé la parole pour cette génération et il nous a amenés dans 1 Thessaloniciens 4, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Alléluia, nous y sommes maintenant. Pourquoi rester là, la bouche ouverte? Oh, priez et allons-nous-en d'ici. Peut-être que le Seigneur vous envoie un petit tremblement de terre, mais je n'attends pas. Nous attendons ce dernier. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Ainsi, vous savez où vous en êtes maintenant. Par la parole, par l'onction. Nous y sommes. Nous y sommes maintenant. Nous sommes dans le cri. Nous sommes dans la voix. And we have the correct anointing. Et nous avons l'onction correcte for these meetings. Pour ces réunions. And the devil cannot stop it. Et le diable ne peut pas l'arrêter. The anointing is here and l'onction you know est ici et vous savez qu'elle est là. Who can come against this anointing here? Qui peut venir contre here cette onction? Elle est là. You can feel it. Vous pouvez you le sentir. Vous pouvez la toucher. It comes by the correct elle vient message for this season par le message correct pour cette saison venant du prophète. And some fire for that'll speak it back. Et aussi pour un quintuple ministère qui va la prêcher. Gloire. Nous y sommes maintenant. What did Malachi 4 say about et qu'est-ce qu'a dit Malachi 4 au sujet du ministère et des promesses pour Saint Marc 16 et Saint Jean 14, 12? Souvenez-vous, nous cherchons la guérison, les miracles, les signes, les prodiges, les scellements, les réemplissages. Voilà ce que je cherche. Vous feriez mieux de le croire. Je n'attends pas, je m'y attends ce soir. Gloire! Alors, si c'est ainsi ce soir, ce devra certainement être une super onction de la dynamique sur notre mécanique. La puissance de Dieu étant ici en sa saison. Pourquoi? Pour la manifestation de l'épouse super signe royale. Amen. Brother Branham spoke on et Frère Branham a parlé dans « Appeler Jésus sur la scène » le 19 mars 64, le prophète parlait du réveil. Voici la citation. Vous pourriez simplement entrer dans un bâtiment et les gens sont là et ils sortent de leur civière guéris. On parlait d'un réveil maintenant. Vous ne deviez même pas dire un seul mot. Simplement être là. That's all it takes. Voilà tout ce qu'il fallait. You mean we are vous voulez dire que nous sommes ici dans l'onction du prophète? That's all it takes, just be here. Voilà tout ce qu'il faut, I mean, simplement to, d'être là. N'êtes-vous pas heureux simplement d'être là? Aren't you full of faith to be n'êtes-vous here? Pas plein de foi d'être I mean, là? Can't you praise the Lord to be here? Ne pouvez-vous pas louer le Seigneur d'être That's là? All it takes. Voilà tout ce qu'il faut. Vous êtes déjà guéri. That word, oh Lord, ta parole au oh Seigneur est heaven. Établie pour toujours dans le ciel. Gloire. Hallelujah. 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 Gloire à Dieu. Hallelujah. Glory to God. Amen.
You didn't have to say one word. Sans dire un mot. Just being there. You may be simplement seated, être là. Voilà tout ce qu'il fallait. Je me souviens un soir à Vandalia, en Illinois. Je suis arrivé dans une réunion et je n'étais pas là depuis plus de 5 minutes. Not, Friday and Saturday, but no more than 5 minutes. Pas plus que 5 minutes. Sans devoir marteler ces esprits américains. 5 minutes. Là en Afrique, ils sont là, attendant, et Frère Billy Paul me disait que l'un des frères là, ils étaient en train de mâchonner des os de poulet, étant là en train d'attendre Frère Billy et Frère Joseph. Ils étaient avec 3 heures de retard, il a dit tout va bien, tout va bien. Nous sommes là depuis 3 jours, ils ont dû marcher là, ce n'est pas comme ici en Amérique. My God. Oh là là, mon Dieu. When's it gonna end, friends? Où est-ce que ça va se terminer? Quand allons-nous cesser ça, les amis? Et faire sortir ces esprits américains loin de nos esprits et lancer ça dehors. Et déchirer la chose qui nous pensons être, d'où nous venons, gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous étions une pensée dans sa pensée, un attribut. Eh bien, louez Dieu pour cela. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas plus de 5 minutes. Notre précieux prophète devait travailler, travailler. J'étais là au tabernacle en 1961, 2, 3, 4, 5. Et voyons les Américains en train de pleurer. Frère Branham faisait tout ce qu'il pouvait. Et lui, il ne faisait rien. Il les amusait. Il se sentait bien. Dieu n'est pas venu pour que vous vous sentiez bien. Il est venu pour vous changer d'un porc en un agneau. We feel good and we be crying. Nous sentons bien, nous. Brother, praise God when Brother Branham preached. Oh, gloire à Dieu quand Frère Branham prêchait là. Oh, il y a le cri du roi dans le camp. Nous étions là, dans le parking ou ailleurs, et nous étions en train de pousser des cris. Écoutez, comme je criais, je poussais des cris là, dans la restauration de l'arbre épouse. Un prophète qui disait, c'est ainsi dit le Seigneur, je ne serai pas ébranlé. Je sais ce dont je parle. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais, alléluia. Gloire. Pas plus de 5 minutes. Et il n'y avait pas une personne faible nulle part. Les chaises roulantes étaient repoussées. Sœur Carla a déjà préparé de nouvelles chaussures. Mais croyez-le, ayez la foi. Et repoussez ces esprits américains et canadiens. Alléluia. Partout, les chaises roulantes repoussées, empilées. Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Qu'est-ce que vous attendez? Il est déjà venu. Il a amené un message. Alléluia. Allons, vous, semences royales d'Abraham. Gloire à Dieu. Pressez le pas. Entrez dans vos promesses. Gloire à Dieu. Alléluia. Élie est déjà venu. N'attendez pas. Et si le dernier tremblement de terre était là? Lord, alléluia. Amen. Yes, sir. Oui. My praise God. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Glory. Hey! Hallelujah. Praise God. Lord, wheelchairs pushed out, piled up. Les chaises roulantes empilées, les aveugles voyaient, les sourds, muets, qui parlaient. Et simplement, l'Esprit du Seigneur était présent. Amen.
And just heal the whole group. Et il a simplement guéri tout le groupe. Because the group had gotten under the parce que le groupe était venu sous l'onction du prophète qui avait trouvé la parole. So why can't we do the Et c'est pourquoi same? Ne pouvons-nous pas faire la même chose? We claim to believe the prophet. Nous proclamons croire le prophète. Et c'est là pour la guérison. Why can't we, pourquoi believe for our Holy Ghost? Ne pouvons pas le croire pour le Saint-Esprit, pour le réemplissage, pour la guérison, pour la délivrance, pour quoi que ce soit? Gloire. La guérit tout le groupe. Maintenant, c'est là où vous pouvez faire quelque chose. Lorsque le réveil est là. Mais si le feu du réveil meurt, alors, après, les gens sont toujours des chrétiens maintenant, mais ils ne sont pas ravivés. Réveille-nous, Seigneur, réveille-nous. Ils sont assis là, comme avec l'esprit américain, et ils regardent dans l'espace et ils disent, vous pouvez agiter ce que vous voulez devant eux, ils restent là, la bouche ouverte. Nous ne sommes pas ici pour agiter quoi que ce soit devant vous, mais nous sommes ici pour parler la parole. Pourquoi crier? Parle! Glory. People are still Christians, maybe seated, les gens étaient quand même des chrétiens, mais ils n'étaient pas ravivés dans cet esprit, cette grande atmosphère qui fait quelque chose. Nous ne pouvons rien faire. Nous sommes simplement de la poussière, ces éléments. Mais cet esprit ici qui plane sur vous. Et le prophète avait déjà dit qu'il y ait un réveil de sept tonnerres. Ça a déjà été parlé. Et la charité est ici maintenant, suspendue au-dessus de vous. Gloire. Cette grande atmosphère qui fait quelque chose, gloire à Dieu. C'est comme dans une forge où il y a un maréchal ferrant. Vous devez avoir le fer chaud à l'avant, de pouvoir frapper dessus sur l'enclume. Le fer était chaud vendredi soir, essayant de préparer le fer, qu'il soit chaud. Et l'esprit américain qui reste là sans rien faire. Mais bon, on ne peut rien faire tant que le fer n'est pas chaud. Il y a un homme qui peut faire chauffer votre fer. Gloire à Dieu. Donc vous devez chauffer le fer, ne pas regarder le ministre bouche bée avant de frapper sur l'enclume. Sinon, vous ne jamais pouvoir le rectifier. Comment au monde le Saint-Esprit peut-il rectifier du fer froid qui a dépensé son argent pour venir à une convention? Qu'est-ce que vous attendez? Vous gaspillez votre temps et le temps de Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas ici pour votre argent, nous ne sommes pas ici pour vous regarder, nous sommes ici, gloire à Dieu, pour faire descendre le ciel sur la terre, pour prouver à Satan, pour prouver aux soi-disant croyants qu'il y a des gens qui croient Malachi 4. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. So amen. If you don't, sinon, you'll never straighten it out. Vous n'allez jamais pouvoir le rectifier, amen. Le corriger. Si le fer n'est pas chaud comme quand vous venez là, rien ne va se passer. Ça va entrer et sortir de la même manière. Voilà ce qu'il faut pour avoir un réveil. C'est que tout le monde soit sous la chaleur du Saint-Esprit, faisant descendre la puissance de Dieu et le réveil qui entre en action. Revive us, O Lord. Réveille-nous, Seigneur. Oh, my everybody. Oh, là là, chacun. Praise God. Gloire au Seigneur. So that would certainly have to be a special, donc, a super anointing. Ça doit être certainement une super onction. On perseverance, page 11. Dans persévérance. Amen. We want to make sure we got the correct anointing. Nous assurer d'avoir l'onction correcte. Page 11. À la page 11. Paragraph 52. Now, if a man is trying maintenant, to si be un homme essaye d'être persistant, il doit avoir. Écoutez, là, dans persévérance. Dépasser l'esprit américain. Allons-y. Allons. Every convention the same thing. Come on. Come allons. On. Come on. Allons. Every convention. Allons. À chaque convention. Be the same thing. But one day, mais un jour, it won't be that way. Ce ne sera pas ainsi.
Alléluia. My God. Mon Dieu. Yes, sir. Oui. Amen. He's got to have something il doit avoir quelque chose, premièrement, qui va lui donner la foi dans ce qu'il fait. Nous commençons à la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, souvenez-vous, Dieu, quand Christ était sur la terre, il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Marc 16, allez dans le monde entier. La dernière chose que Jésus a donnée à son Église, écoutez, la première commission qu'il a donnée à son Église, c'était d'aller dans toutes les cités, jusqu'à ce qu'il revienne avec le cri, la voix de l'archange. La dernière commission qu'il a donnée avant de revenir, prophète dit, le cri et la voix de l'archange. Allez dans le monde entier, prêchant l'évangile à toutes les créatures, celui qui croit et est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et ces signes suivront. Et ils sont revenus en se réjouissant, le Seigneur les accompagnait. Saint Marc 16, 20. Le Seigneur lui-même les accompagnait en confirmant la parole, avec des signes partout. Le Seigneur Dieu lui-même, Saint Marc 16, 20. Praise God. Gloire à Dieu. And why? They returned back rejoicing. Retournaient en se réjouissant, le Seigneur œuvrant avec eux, avec des signes qui suivaient, voyez-vous. Ils étaient persistants parce qu'ils devaient accomplir quelque chose. Et nous avons quelque chose selon Éphésiens 4, 13, d'être un homme parfait sur cette terre. Nous avons quelque chose à accomplir selon Hébreux 11. Eux, sans nous, ne peuvent pas arriver à la perfection. Il doit y avoir une épouse qui arrive à la perfection afin que les morts puissent ressusciter. Malachi 4. Les pentecôtistes. Wesley. Luther. Colomba. Martin. Irénée. Et Paul. Et l'épouse primitive. Et tous les prophètes. Et jusqu'à Adam. C'est le but pour lequel Dieu vous a amené dans les derniers jours, c'est de croire ce message. Il prédestine des croyants pour le croire. Quelqu'un va le recevoir, quelqu'un va le croire, quelqu'un va louer Dieu, quelqu'un sera guéri, scellé, sera délivré, quelqu'un va être persistant, quelqu'un aura la foi, une foi inébranlable, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ils avaient quelque chose à accomplir. Ils avaient une commission directe. Jusqu'où? Dans le monde entier, à chaque créature. Combien de générations? Toutes les générations, chaque créature. Il nous a dit là que cela devait arriver jusqu'à la voix de l'archange. Ça veut dire que le prophète est parti, d'amener le cri, la voix et toute la chose est là. Et nous devons continuer de prêcher Saint Marc 16. Nous devons encore imposer les mains aux malades. Et nous allons le faire ce soir. Et il y aura des gens guéris ce soir. Tout comme David Branham a été guéri à Tulsa, il y a des gens qui seront guéris ce soir. Notre Dieu ne peut pas faillir. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. À la page 28, you may be seated. You got to get the living vous devez word, the quicking avoir word from the prophet la parole vivante du prophète en vous pour avoir le Dieu vivant en vous, parce que la parole là, lorsqu'elle est faite chair en vous, esprit et vie en vous, lorsqu'elle entre dans votre chair et votre foi et qu'elle devient vie, lorsque le pasteur met cela dans votre chair. Don't back up, don't get mad. Ne faites pas marche arrière, ne soyez pas furieux. Ça doit entrer dans votre chair pour amener votre chair en soumission à la parole de Dieu. Soumettre votre chair. Paralyser votre chair du monde. Je n'ai plus de désir du monde. Gloire. Et alors dans votre foi, la chair empêche que cela arrive à votre foi. Si parfois il faut reprendre la chair. Parce que Dieu vous aime. C'est une histoire d'amour. Il n'est pas méchant. Il vous a tellement aimé. Il ne va pas laisser Ananias ou Saphira se tenir devant vous. S'il doit ôter Ananias et Saphira, il vous aime. Il va venir à vous sans incrédulité. C'est la raison pour laquelle il a dû ôter Ananias et Saphira. Il y avait de l'incrédulité. Là, il mentait. C'est une histoire d'amour constante. Ainsi, n'ayez pas peur. Oh, gloire à Dieu.
and you've made spirit and life in you, esprit et vie en vous, lorsque cela entre dans votre chair et que votre foi devient vie, alors vous êtes un exemple vivant, épître de Dieu, lu de tous les hommes. N'aurez pas comme Christ, pas la plénitude, parce qu'il s'est divisé le jour de la Pentecôte. Malachi 4 est revenu avec la plénitude. C'est le même Christ. Et maintenant, Dieu est sur le point de se diviser à nouveau. Ainsi, vous n'en aurez pas la plénitude, parce qu'il va nous répartir le pays. Éphraïm, Manassé, Dan, là, c'est divisé. Mais Malachi 4 avait tout le pays pour le répartir. Allons les gars, c'est un bon pays. Prêchez cette promesse. Faites descendre l'onction afin que les malades soient guéris, que les morts ressuscitent, que les chaises roulantes se vident. Gloire à Dieu. Faites ça descendre. Le ciel en est rempli. Alléluia. Oh, alléluia. Praise God. Gloire au Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Hallelujah, thine the glory. À toi la gloire. Hallelujah, amen. Hallelujah. I feel wonderful. Oh, je me sens merveilleusement bien. J'ai dormi une heure. Et Splitfoot était après moi. Le pied crochu. Amen, frère Edgar. C'en était une bonne, hein, Splitfoot. So now remember, you may be seated. Les sabots fendus, le diable. Vous recevez l'onction par la parole de Dieu dans votre saison, dans votre âge. Alors vous la donnez aux gens. Et cela place tout le groupe dans l'onction pour une expectative. Les gens dans l'expectative, là. Et depuis 20 ans. Amen. Quand je suis venu au tabernacle, là. Dans l'expectative. Lorsque le prophète est parti, j'étais dans l'expectative. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est tard, en 1965, à l'hôpital en décembre, je n'ai pas pu aller là, à Yuma, en Arizona, frère Billy. Alors j'ai téléphoné à frère Lee Bailey, frère Perry Green, et j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que le prophète a dit? Et tous les deux m'ont dit, il a dit que le Seigneur lui-même est descendu avec un cri. Et alors, frère Billy, il est passé là aussi, et j'ai attendu. Et puis le Seigneur a repris notre prophète à la maison. Et puis le 25 décembre, les gens quittaient le message et tout. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Le 26 décembre, il m'a dit, gloire à Dieu, le Seigneur est descendu avec un cri et le cri du roi est dans le camp. J'ai dit, allons, oh, relevez ces genoux faibles. Alléluia. Faites des pompages. Allons, Abraham. Allons, Sarah. Dieu, le prophète a amené la parole. Et la parole, c'est la vertu. Jésus-Christ, ne me dites pas que vous êtes faible, que vous êtes épuisé, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas faible. Quand vous êtes faible, vous êtes fort. Fort dans la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Continuez à presser le pas, continuez à presser le pas. Alléluia. Gloire. So now we know. Ainsi maintenant, nous savons. Nous sommes dans le cri, nous sommes dans la voix. Saint Marc 16, la commission doit être continuée selon 1 Thessaloniciens 4, 16. Et nous croyons que l'onction, la voix de Dieu, est ici pour vivifier Saint Marc 16, pour vivifier Acte 1, 8, pour vivifier Saint Jean 14, 12, pour vivifier Éphésiens 4, pour continuer et exécuter notre dernière commission. Satan, nous allons nous tenir. Là, nous allons tenir. Gloire à Dieu. Ne l'ont pas faire marche arrière. Nous allons presser le pas de l'avant. Allons, vous, semence royale d'Abraham. Alléluia. Oui. Satan, nous allons exécuter cette commission ce soir. Gloire. Brother Branham said that is Satan's death stroke. C'était le coup mortel pour Satan. Quand vous croyez, cela abat le diable. C'est son coup mortel. Votre foi paralyse Satan. Il ne peut plus bouger. Il est lié par la parole de Dieu. Lié. Amen. Alléluia.
Et il sera lié pendant 1000 ans par les circonstances. Nous allons le lier parce qu'il n'y aura plus de soi-disant croyants. Il n'y aura plus d'incrédules pendant 1000 ans. Ce sera une lune de miel sur la terre et Satan ne pourra rien faire. Gloire à Dieu. Et nous le lions ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, Satan, nous te lions ce soir. Nous te lions par la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, nous allons exécuter notre commission, Satan. Et vous, ministres, si vous ne croyez pas, sortez de mon chemin. Gloire à Dieu. J'ai les clés, j'ai le sceptre. Satan, c'est ce que le prophète Malachi 4 a annoncé. Écoute ça, Satan. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Glory, he is alive. Glory, oh my. Glory, look at that. My, you believe it? Hallelujah. Glory to God. Glory, my, my. Satan, they can't stop. There's no music, Satan. They're shouting on the word. My Lord, not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. Glory, glory. Wonderful. My brother, Brother Branham, look over the banister of eternity. See this here? Oh, si Frère Branham peut voir par la balustrade de l'éternité et voir ceci. Gloire. Amen. Jesus Christ, the same yesterday, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu, living in his church, in his people, vivant dans son église, dans son peuple. Amen. Alléluia. Vous n'aurez pas comme Christ maintenant. Oh frère, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez une invitation pour une manifestation. I see you believe it. Oh, je vois que vous le croyez. Gloire. Hallelujah. What is the word message for our anointing? Quelle est la parole pour notre onction, pour notre jour? What is the word message? Quel est le message de la parole pour notre onction, pour notre jour? Let's find on Daniel 70 weeks. Découvrons-le dans les 70 semaines de Daniel à la page 29. What are we supposed to be doing? Oui, ce que nous sommes censés faire. Paragraphe 135. Après cet âge, j'ai vécu, il parle ici. Alléluia. Après Wesley, les pentecôtistes. Amen. L'âge wesleyen, l'âge pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit, voici ce qu'il dit ici. Vous vous formez là tout le temps, maintenant souvenez-vous, cette pierre fêtière n'était pas encore là. Pourquoi? Ils ont formé l'église exactement sous une forme de pyramide pour s'ajuster à la pierre fêtière. Mais la pierre fêtière n'est jamais venue. Oh, voyez-vous où j'en suis maintenant? Maintenant le ministère, Luther, jusqu'à la fin de la Pentecôte, une minorité, mais la véritable Église dans le monde s'est formée jusqu'à un endroit, saisissez maintenant, où il vient un ministère au milieu d'eux, exactement comme le ministère de Jésus-Christ. Quel était ce ministère? Le prophète. Gloire. Now what they got now? Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Voilà ce qu'ils disent.
They got the thing Ils ont in la chose en condition. Now, what's the next thing? Alors, quelle est la chose suivante? La pierre rejetée de la pyramide, taillée de la montagne sans quoi? Sans l'aide des mains. Dieu l'a envoyé, voyez-vous. Celui qui a été rejeté, la pierre rejetée est la tête de la pierre de fête. Gloire à Dieu. Et celui-là même qu'ils ont rejeté dans cet âge des nations, c'est Christ. Et Christ n'a pas été taillé, il n'a pas été placé là comme vicaire ou un fils de Dieu ou un grand dignitaire dans l'Église. Il est le Saint-Esprit et la coiffe de la pyramide. Amen. Et la coiffe de la pyramide, c'est le Saint-Esprit. Et la coiffe de la pyramide, ce sera la venue de Christ. Le voyez-vous? Et le voyez-vous? Amen. Voilà, il est cette pierre. Il n'est pas né de l'homme. Il est né de Dieu. Il vient pour une église née de nouveau par l'Esprit de Dieu. Parce que la force de cette pierre de fête parcourt l'église comme un aimant. Amen. Comme un aimant. Comme un aimant. Alléluia. Il parle là. Dans une usine, il y avait un grand aimant qui attrapait tout ce qui était magnétisé. Nous devons être magnétisés à la pierre fêtière. Cette pierre de fête, c'est le Saint-Esprit, Christ. Et chacun de nous qui a le magnétisme du Saint-Esprit, quand cette pierre frappera l'image, l'Église va s'envoler de retour dans la gloire d'où vous venez. Nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Elle sera enlevée à l'enlèvement des saints. Là, ce jour-là, gloire à Dieu. L'Église des nations, l'âge de Laodicée, les Juifs sont de retour dans leur patrie. L'apostasie prend place. Nous avons une nation qui est en faillite. Il y a des bombes atomiques là dans les hangars. Nous avons une église qui est faible. Et nous avons un ministère selon le modèle de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour saisir la pierre quand il viendra. Savez-vous ce que je veux dire? Alléluia, pour saisir cette pierre, nous sommes à la fin, oh gloire. Est-ce que nous réalisons, frère, ce que le prophète a dit là? Oh là là, il est le Saint-Esprit. Et Christ est cette pierre. Nous avons un ministère selon le modèle de Jésus-Christ pour saisir la pierre quand il viendra. Les amis, réalisez-vous la grâce de Dieu pour nous dans cette dernière génération. Le 7 mai 1946, l'ange est apparu à Malachie 4. Pourquoi? Pour lui donner le ministère de Jésus-Christ, pour saisir la pierre fêtière. Premier pôle, deuxième pôle, le ministère de Jésus-Christ. Troisième pôle, allez à l'ouest. Et sept anges sous la forme de pyramide, il a saisi la pierre de fête. Et il est revenu à Jeffersonville avec la pierre de fête. Il l'a connecté à la pyramide. Et nous recevons les ordres de la pierre de fête venant au travers du corps. Gloire à Dieu. Pour saisir la pierre de fête d'un Thessaloniciens 4:16. Esaïe dit, ainsi dit le Seigneur, j'ai mis en Sion comme fondement une pierre éprouvée, un sûr fondement. Celui qui croit ne se hâtera point. Oh frère, nous savons où nous allons. Nous ne devons pas courir, avoir peur et être effrayé. Nous savons que nous avons la révélation correcte pour saisir la pierre de fête, cette vertu vivante qui saisisse la pierre de fête. Et la dynamique est ici pour faire vivre vos sept vertus et les manifester pour saisir la pierre de fête.
Alléluia. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire. Psaume 118, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'était Jésus-Christ, avec le ministère de 3 ans et demi, et les bâtisseurs l'ont rejeté. Et dans Acte 4, Pierre et l'épouse sont revenus pour identifier cette pierre de fait. Et Pierre a dit aux bâtisseurs, voici la pierre qui était là et que, qui est devenue maintenant la principale de l'angle. Qu'en est-il de notre jour? Le même Jésus-Christ est revenu et les bâtisseurs ont rejeté la pierre de fait à nouveau qui avait été manifestée en Malachie 4. Le même Christ, le même Dieu voilé dans le prophète. La pierre de fait a été rejetée par les bâtisseurs avec le message de la mécanique et de la dynamique. Et les bâtisseurs ne veulent pas la dynamique. Oh là là! Qu'en est-il de notre jour? Joël 2. Et je vous restaurerai les années, comment j'ai la sauterelle, le yélec, la locuste et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. La sauterelle qui a enlevé toute la vie des racines, et le yélec, l'écorce et la locuste, les feuilles, les pentecôtistes, les feuilles, oui, bien sûr, les feuilles ont la vie. Les pentecôtistes, les cris et danser, la vie dans les feuilles. Et lorsque la vie quitte, elle retourne dans les racines. Alors là, et puis ils vont au ciel. Oh, gloire au Seigneur. La vie traverse. Gloire. Mais alors, la chenille qui a mangé les fruits, et puis est venue la parole de Dieu pour ramener les fruits. Est-ce que c'est ça le message pour recevoir notre onction pour notre jour? D'où allons-nous recevoir l'onction de la pierre de fête pour saisir cette pierre de fête? Ça doit être une promesse. La restauration de la vraie épouse. Oh, allons maintenant, est-ce que vous êtes engourdis? Vous êtes étonnés? Gloire au Seigneur. À la page 68. Parle de Luther, Wesley, justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et alors, Christ vient pour demeurer là. Après la naissance du Saint-Esprit, Christ, la parole, est descendu, la pierre de fait, pour demeurer dans l'épouse primitive. Alors Pierre certainement pouvait dire, vous les bâtisseurs, vous avez rejeté la pierre de fait qui est en moi. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel vous pouvez être sauvés. Gloire. Vous avez entendu ce que j'ai dit, les amis? Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, Christ est venu pour y demeurer, pour produire les fruits. Amen. Qui est au sommet de l'arbre. Il y aura de la lumière au temps du soir. Et le sentier de la gloire, vous le trouverez certainement. Amen. Gloire au Seigneur. Nous l'avons trouvé. Gloire. Quel peuple privilégié nous sommes. Oh, je vous excite à l'amour, je vous excite à la louange, à la foi. Pour être guéri, pour être scellé, pour être délivré. Gloire. La quatrième lumière est venue ramener les mêmes signes. Regardez, justification a ramené la pulpe, la sanctification a ramené l'écorce, la doctrine de la sainteté. Qu'est-ce qui a ramené les feuilles, les pentecôtistes? Qu'est-ce que c'est? Les feuilles, les pentecôtistes, ils tapent des mains, la joie, ils se réjouissent, la Pentecôte. La quatrième, c'était la parole elle-même. La parole faite chair. Les fruits. Les fruits de la preuve de la résurrection. Malachi 4 était les fruits de la résurrection. Le signe de la résurrection de Malachi 4, ce sont les fruits. Les fruits du fruit de la résurrection. Et vous êtes les fruits. Les fruits du fruit. Alléluia. Il a dit au prophète d'aller là, cueillir des fruits des deux côtés, là, l'unité, les trinitaires. Ainsi vous êtes les fruits du signe du fruit. Voyez-vous, nous en sommes. Si vous saviez réellement qui vous étiez, frère, vous ne cesseriez jamais de louer le Seigneur.
Vous seriez là, dans la joie, lorsque cette épouse saura qui elle est. Elle sera partie un jour, ce sera le cas, parce que Dieu va le révéler. Tout comme il a dit Marie, Marie pensait que c'était le jardinier. Et alors il a révélé qui il était. Marie, je ne suis pas le jardinier. Une voix. Oh, glory to God. Gloire à Dieu. My, oh là là. Vas-y, vas-y. The word made flesh. La parole faite chair. That Christ may be seated. Christ is finally after the Christ finalement après la justification. Amen. A été planté. Maintenant, dites-moi quand vous serez prêt à être guéri et je m'arrêterai. Is your faith up yet? Est-ce que votre foi est déjà élevée? What's your temperature? Quelle est votre température? Is your iron hot? Est-ce que votre fer est chaud? Glory! Gloire! Gloire! Lord. The resurrection sign that Christ le signe de la résurrection, que Christ finalement après la justification a été planté, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et Christ à nouveau s'est centré lui-même comme la coiffe de la pyramide. Amen. First line, justification, première ligne justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et puis la venue de la coiffe. What is it? Qu'est-ce que c'est? He's prophesied about you, but I was il a prophétisé de vous, mais j'étais là. I happen to be here at this message. J'ai entendu ce message. Qu'est-ce que c'est? Nous voilà. Ce groupe du Saint-Esprit étant taillé par 2 Pierre 1, 4 à 7. Cette taille, ce groupe du Saint-Esprit étant taillé afin de s'ajuster avec la même sorte de ministère. Voulez-vous dire que Dieu va nous tailler? Et nous donner un ministère pour saisir cette pierre de fait qui aura notre mesure de la stature, de la plénitude, mais ce sera l'épouse comme la première. Donc il va nous donner la personne pour saisir cette pierre de fait après le prophète. Les morts qui ressuscitent, c'est une promesse et je sais que je vais le prêcher. Et quand je le prêche, cela amène une onction. Et l'onction prend tout le groupe. Gloire à Dieu. Et alors, les visions viennent, les puissances viennent, la foi vient et les démons sortent. La gloire de Dieu entre. Amen. Être taillé afin de nous ajuster avec la même sorte de ministère qu'il avait lorsqu'il est parti. Et quand il reviendra, cela va saisir toute la chose dans l'enlèvement. Il est justifié, sanctifié, le baptême du Saint-Esprit. Cette pyramide se tiendra debout à nouveau. La maison de Dieu vivra à nouveau. L'arbre de vie pousse à nouveau. Et les sept tresses de Samson repoussent. Alléluia, gloire à Dieu. Oh là là. Un sûr fondement. Vous le croyez? Est-ce que vous êtes le groupe du Saint-Esprit qui est taillé? Est-ce que vous êtes prêt que la parole entre dans votre chair? Est-ce que vous êtes prêt pour que la parole de Dieu entre dans votre âme? Frère Coleman, voulez-vous dire que l'épouse va recevoir le ministère de Jésus-Christ pour saisir la pierre de fait? Pour amener à l'existence hébreu, nous devons saisir cette pierre pour les ramener. Il faut un ministère ici, qu'il a laissé lorsqu'il était ici. Le prophète. We can see it on film. Nous pouvons le voir là sur un film. Oh my, what an hour should be, friends. Oh, quelle heure cela devrait être, les amis. Je n'ai pas parlé beaucoup plus longtemps. La confirmation de sa parole a toujours été, lorsque la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole, se rendant visible afin de le voir. Ça veut dire que nous arrivons à une pierre vivante. 1 Pierre, c'est la parole. 1 Pierre 2, 4 à 6. Venons à nous comme une pierre vivante.
méprisée par les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, choisie par Dieu. 1 Pierre 2:5, vous êtes des pierres vivantes, édifiées comme une maison spirituelle, une sainte sacrificateur pour offrir des sacrifices spirituels, le fruit de nos lèvres donnant quoi? La louange à notre Dieu. Et comment est-ce que c'est si difficile pour que les gens louent le Seigneur? Je ne sais pas. Peut-être que vous n'avez pas encore touché cette pierre de fête. Mais si jamais vous touchez cette pierre, vous serez changé. Mon Dieu, les diacres devront vous demander de vous asseoir 5 minutes. Voulez-vous dire que l'épouse va saisir le ministère de la pierre de fête comme pierre identifiant la pierre angulaire, ainsi de la même, nous le ferons avec la révélation pierre de fête de Malachie 4, la manifestation, ce ministère, le ministère de Jésus-Christ, Saint Luc 17, 30. Puissions-nous venir après le prophète pour dire au monde, pour en parler au monde, pour en parler aux nations, pour leur dire que le Consolateur est venu et que cela a mis de la joie dans mon âme. Quel message! Et vous serez témoins après que le Saint-Esprit enverra la puissance sur vous. Alléluia! Gloire à Dieu! Quel ministère! Manifestez Christ, ô Église, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres du Seigneur. Un Dieu se mouvant, l'homme, pyramide sur la terre, cette pyramide se tiendra debout. Et Pierre a dit, une maison spirituelle, et Paul a dit, un saint temple, et Malachie 4 a dit, une pyramide. Tout ça, c'est la même chose. Tous les prophètes ont dit la même chose. Un saint temple, une maison spirituelle, une pyramide. Ce bâtiment se tiendra debout. La maison de Dieu vivra à nouveau. L'arbre épouse va s'épanouir dans ces réunions. Gloire à Dieu. Luther a identifié la carriole avec les chevaux, Wesley l'automobile, les pentecôtistes, les avions, et l'épouse parole des astronautes. Qu'est-ce que vous identifiez? L'enlèvement. Et si le prophète nous a déjà mis là par l'onction dans la parole pour l'enlèvement, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri et la voix d'un archange, la trompette de Dieu. Alléluia. Et nous devons identifier l'enlèvement. Parlons de Jésus. Gloire! Voulez-vous dire, Seigneur, que je vais faire partie de l'enlèvement et tous ces évêques-là, dans la Pentecôte, tu vas les laisser, mais tu m'as choisi. Oh, alléluia, parmi tous les presbytériens, les catholiques et les évêques, les archanges, qui qu'ils soient, et il m'a choisi. Oh, gloire, alléluia. Et je vais identifier l'enlèvement. Gloire! Qu'est-il arrivé hier? Dans le journal de ce matin. Voici là. Dans cette convention, pendant ce temps, les astronautes ont construit une pyramide là dans les cieux. Pendant cette convention, voici dans le journal de ce matin. Amen. N'oubliez pas que le prophète l'a dit maintenant. Il a dit, les astronautes nous typifient, l'épouse, les chevaux et les carrioles, Luther, mais l'épouse parole des astronautes. Et pendant cette convention, voici là, dans les journaux. Vous savez ce que je suis en train de dire? Gloire! Hallelujah, glory to God! The shuttle crew builds, maybe see the builds in space. Les astronautes construisent dans l'espace une expérience pour montrer là, dans l'absence de gravité, ce qu'ils peuvent construire. Et cette expérience s'appelle Assess et Ease, un travail là, pendant 6 heures marchant dans l'espace. Oh, ne serait-ce pas merveilleux, là, marcher dans l'espace pendant 6 heures dans ces réunions. Gloire! Glory!
Alléluia. Amen. Now, I believe we in ease, là, pour travailler à l'aise dans des manœuvres en assemblant 6 poutres dans une pyramide inversée qui s'est répétée 6 fois. Donc, les membres de l'équipe se déplaçaient librement. Ils sont libres maintenant. La liberté, nous sommes libres là dans l'esprit. Nous avons la liberté là où est l'esprit du Seigneur. Nous sommes libres. Vous pouvez vous asseoir. Les membres de cette équipe m'étaient accrochés par un câble de sécurité. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, parlez-moi d'action de grâce. Parlez-moi d'alléluia. Gloire. Et Enoch est notre type. Et un jour, la mécanique d'Enoch s'est transformée en dynamique. Gloire. L'enlèvement. Et cette équipe a construit dans l'espace et nous avons accès avec aise, sans inquiétude et avoir peur, mais avec une certaine aisance, là en flottant sur les citations. Le fleuve d'Ézéchiel, là, depuis les chevilles, depuis les genoux, la sanctification, les reins, le baptême. Entrez dans le fleuve d'Ézéchiel, gloire à Dieu. Et reposez-vous sur le dos et flottez sur les citations. Oh, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous noyer. Vous êtes connecté à la pierre de fait. Vous avez une direction. Oh, alléluia. Ils assemblent des poutres de 12 pieds là dans une pyramide invertie et cela sera répété 6 fois, ce qui fera 7 au total. Alléluia. Ils ont dû le faire 7 fois alors que nous, dans cette convention, nous sommes là. Gloire à Dieu. Des astronautes sous la dynamique des lieux célestes. Et nous sommes dans les lieux célestes. Et nous commençons à assembler. Nous commençons à édifier cette pyramide. Oh, hallelujah, gloire au Seigneur. La puissance de Dieu est ici. Ses voix pour nous dire comment gravir cette pyramide. Alléluia. La vertu puissance. Oh, allons, Seigneur Dieu, déverse la vertu et la connaissance afin que nous puissions déverser les vertus là, afin qu'ils puissent édifier la pyramide pour saisir cette pierre de fait. Gloire. Ainsi, nous allons prendre nos 7 marches et nous allons nous avancer librement. Mais nous sommes connectés par un câble de sécurité. Nous pouvons nous déplacer librement, mais nous sommes connectés à la pierre de fête. Amen. C'est le temps de l'astronaute, le temps du super signe. Dieu et l'homme ensemble. Tout cela étant connecté, et cela s'est répété 7 fois. Alléluia, gloire au Seigneur. Le prophète de Dieu dit, la parole par la semence originelle, la page 57, les derniers jours, la véritable église, l'épouse, arrive à la pierre de fête, ce sera une super église, une super race, alors qu'il s'approche de la pierre de fête. Oh, hallelujah. Ils seront à son image même, ils seront un. La manifestation même de la parole du Dieu vivant. Qui est cette super semence royale? Question numéro 1. Galates 3:16. Le Seigneur lui-même, c'est Christ. La semence, la super semence royale. La semence naturelle était Isaac. Mais la semence spirituelle, royale de la foi, c'était Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la semence. Gloire. Alors, vous revêtez la semence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit qui est Christ. Alors, vous n'êtes plus des êtres du temps. Vous êtes des créatures d'éternité. Gloire à Dieu. Vous êtes le signe de la super semence royale. Alléluia. Le mot « je ne peux pas » n'est même pas dans votre vocabulaire. Vous ne comprenez pas l'incrédulité. Vous ne vous plaignez pas ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là dans votre manière d'être. Ça ne fait pas partie de vous. Vous n'avez rien à voir avec cela. Vous êtes une créature parfaite d'éternité.
et vous êtes venu ici. Nous avons contourné notre théophanie. Nous sommes descendus ici pour être formés à l'image parole par la parole de Dieu de Malachie 4. Et nous allons construire notre pyramide, gloire à Dieu, pour saisir cette pierre de fête. Là, dans ces réunions ici, les astronautes en donnent un type pour vous et moi. Hallelujah. Hallelujah. Gloire. Nous revêtons la semence d'Abraham. Et à ce moment-là, nous sommes plus que conquérants. Alors, vous êtes prêts à vous emparer de toutes les portes. La porte des infirmités, de l'aveuglement. Hallelujah. La porte des démons de non-louange. Gloire à Dieu. Hallelujah. Nous sommes plus que conquérants. Nous sommes plus que conquérants. Et nous allons nous emparer de toutes les portes de l'ennemi. Quelle ligne de prière nous allons avoir ce soir? Croyez-vous cela? Oui, Marthe, tu crois dans les derniers jours. Je crois maintenant. Et même maintenant, Seigneur, même maintenant, je sais qu'il viendra au dernier jour. Mais même maintenant, viens, Seigneur, gloire à Dieu. Même maintenant, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. La semence super royale amène l'Église à une super Église, une super race à son image de la parole. Quelle heure est-ce, Église? Quel est le super signe? Qu'est-ce que c'est? Gloire! Gloire au Seigneur! Oh, qui dites-vous que c'est? Gloire! Praise God. Louange au Seigneur. Amen. Praise God. I'm giving you a breather to let it go in. Oh, je vous laisse un peu respirer pour que cela entre. Mark, can this be for the bride? Est-ce que ça peut être pour l'épouse? Are they really out there? Sont-ils vraiment là-bas? They're there. Ils sont là. While we're here. Alors que nous sommes ici. They're actually building a pyramid. Les astronautes forment une pyramide. And what are you doing here? Doing the same thing. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites la même chose. Avec ces citations et tout cela, nous faisons cette pyramide. Sept tresses longues. Alléluia. Oh là là. Un super signe, volume 15. À la page 9. Paragraphe 51. Well, praise God. God saying that, I'll give you eternal signs. Je vous donnerai un signe éternel. Une vierge concevra, aura un bébé. Pourquoi un bébé? Pourquoi ça doit être un bébé? Le Créateur lui-même doit venir et vivre dans sa création. Pour être un signe pour les hommes. Pourquoi un bébé? Pourquoi n'aurait-il pas pu dire, je vais construire une grande échelle, et comme avec Jacob, venant des corridors du ciel, pour vous donner de la force, lorsque vous vous connectez là, je vous élèverai. Il aurait pu faire ça. Mais il est venu de manière si simple. Gloire à Dieu. Un bébé naîtra, ce sera un signe. Un signe. Alléluia. It'll be a super sign. Un super signe. A baby? Un bébé? Why the intelligence of science would Alors que l'intelligence de la science rirait devant une telle God, chose, mais pour Dieu, it was a super sign. C'était un super signe. A virgin shall conceive. Une vierge concevra Emmanuel. Which is my interpretation, ce qui interprété sera Dieu avec sign. Nous, c'est le super signe. Now my question was, what is Maintenant, la question super était, sign? Quel est le super signe? God of heaven, Dieu du ciel, living with people, vivant is avec the super sign. Son peuple, c'est le super signe. That's the super sign. C'est le super signe. Living with his attributes, vivant avec ses attributs, in the evening time, having fellowship. Au temps du soir, ayant communion. Oh là là, et il est venu chercher ceci. Il ne devait pas le faire, mais il l'a fait. Pas un signe seulement pour ce jour-là, mais pour ce jour, Dieu vit avec son peuple, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un super signe, un signe éternel, le signe éternel que Dieu nous a donné.
Oh, gloire au Seigneur, le Dieu du ciel, vivant avec des gens. Hein? Oui, il a déjà prouvé avec Malachi 4. Ainsi, vous devez le croire. Voilà pourquoi vous êtes là, n'est-ce pas? Un super signe, Dieu en Christ, et Dieu en Christ, et ensuite, dans une église apostolique, c'était un super signe. À la page 15, car Dieu lui-même a envoyé son Fils bien-aimé. Écoutez-le. Voici mon Fils en qui il me plaît de demeurer. Écoutez-le. Je serai avec vous toujours jusqu'à la fin. Il a envoyé ses apôtres comme étant Dieu un avec l'homme. Un super signe. Ils ont baptisé les gens au nom de ce Dieu Jésus-Christ. Ils vivaient tellement proche de lui au point où il se manifestait à travers eux par des signes, prodiges, miracles et les dons du Saint-Esprit. Dieu avec nous, un Dieu véritable, vivant. Et nous allons marcher là où les apôtres ont marché. Gloire. Men's built all kind of towers, or four les hommes construisent toutes sortes de tours, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Ce message devait être vivifié dans les derniers jours. So what is the message? Ainsi, quel est le message? Amen. Amen. Praise God, a super sign. Un super signe. Malachi 4, Saint Luke, Malachi 4, Saint Luc 17, 30, Apocalypse 10, 1 à 7 a promis un super signe pour la génération des derniers jours. Et à la page 16, vous feriez mieux de bien y réfléchir, d'ouvrir votre cœur ici, alors que Dieu vous le révèle. Il est venu accomplir ce que le prophète avait dit, c'était la première fois. Et quand il vient dans les derniers jours, la dernière pluie, avec à la fois la première et la dernière pluie qui se déverse, il vient exactement comme ça a été prophétisé. Il y aura de la lumière au temps du soir. Qu'est-ce qui devait arriver? Emmanuel, le même Fils, la même lumière, le même Dieu qui est venu pour demeurer dans la chair avec son peuple au jour de la Pentecôte. Il reviendra de la même manière dans les derniers jours. Et il y aura de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Le signe, un signe éternel. Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu à travers nous, l'homme et Dieu qui deviennent un. Et en ce jour, Jésus est mort et il a donné sa vie précieuse. Alléluia. Et à la page 17, il dit, comment savait-il qu'il était Dieu dans la chair? Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, mais j'ai fait les œuvres de mon Père afin que vous croyiez. Et le prophète dit ici, et maintenant la même chose, le message est ravivé à nouveau dans les derniers jours. Quel message? Le message de qui il est, ce qu'il est, Emmanuel, demeurant en vous, son être, sa nature. Le prophète a révélé tout ça. Et à ce moment-là, il a dit, vous devriez être là-haut, au sommet de la pyramide. Gloire. Avec les mêmes œuvres qu'il a faites, se manifestant à travers les mêmes choses qu'il a faites. C'est la lumière du soir. On en parle mal. C'est un chemin difficile, mais vous avez choisi ce chemin, et c'est votre chemin, c'est vous qui l'avez choisi, qui va amener une formidable victoire dans l'amour divin. C'est vous qui avez choisi le chemin étroit. Gloire! Oh, a message of who he is. Un message de qui il est. Et quand ceci arrivera, à ce moment-là, le message sera un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Oh, gloire à Dieu. Pour produire la semence prédestinée dans les derniers jours. Un super signe. Et à la page 23, un super signe. Oh, here you are, here. Vas-y, voilà. Gloire à Dieu. Vous êtes à la page 23, là, ici même. Je suis reconnaissant pour une église universelle, triomphant, déjà prédestinée et appelée.
Amen. And Amen. Sealed et scellé and ordained to et that body. Ordonné pour ce you corps. C'est-à-dire que je suis déjà scellé. You have a seed in you, a life. Vous avez une semence en vous, la vie. Et bien alors, vous êtes scellé dans la pensée de Dieu. But vous êtes scellé. Calendar, mais quel est votre jour sur le calendrier? Je ne sais pas. Mind, mais dans la pensée de Dieu, vous êtes scellé depuis avant la fondation du monde. Vous devez trouver le jour où vous allez être scellé ici en réalité. Mais vous êtes une semence parole. Que la lumière soit. Vous êtes une semence parole qui a été parlée du Logos. Et le Saint-Esprit a couvé la semence parole. Et la semence parole est devenue une réelle semence. Et Malachi 4 vous a parlé ici. Les semences paroles. Et certains sont déjà venus, des vraies semences par le baptême du Saint-Esprit. Réveille-nous. Oh, gloire. So here you are, triumph. Ainsi, vous voici. No doubts, no unbelief, sans aucun no doute, sans battles, incrédulité, triumph. Sans bataille d'esprit, triomphant. Gloire. Déjà prédestiné et scellé, ordonné dans ce corps. Je les vois en Asie, Indiana, en Afrique, partout, en Indiana. Indiana. Amen. Indiana, brother Billy Paul, Indiana. En Indiana, frère Billy Paul, gloire au Seigneur. Et frère Thomas et moi aussi, et frère Hunt aussi. Amen. Gloire. C'est le prophète qui prophétise à notre sujet. Je trouve cette église triomphante qui sait que tu es venu dans la chair. Et tout esprit qui ne confesse pas, cela est le mauvais esprit, l'antichrist, qui ne témoigne pas la même chose que Christ est venu dans notre esprit, est l'esprit antichrist. Gloire à Dieu. Voulez-vous dire que je suis déjà scellé dans la pensée de Dieu? Bien sûr. Et de plus, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant même, votre théophanie est glorifiée dans sa présence, attendant de vous rencontrer dans la résurrection. Gloire. Voilà. Eh bien, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un super signe. Encore une citation ici, et puis ce sera la ligne de prière. Votre foi est bien élevée. Gloire. Super signe. Un super signe à Shreveport. Page 15. À la page 15. Paragraphe 109. Oh Dieu, si le monde pouvait seulement voir cela, que Dieu et l'homme sont un, le super signe, là où Dieu peut entrer, c'est déversé en Christ, c'est tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église, un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Voilà ma pensée. Ça doit être le super signe des derniers jours, lorsque toute la Bible doit être accomplie dans les derniers jours. Alors ça devient un super signe. Toute la Bible révélée et ouverte. Chaque mystère. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh là là. Gloire au Seigneur. Et il a dit, oh Dieu, si le monde pouvait voir cela, oh, si les croyants dans le message de Malachi 4 ce soir pouvaient voir que cette promesse est pour eux, nous n'aurions plus de division. Nous n'aurions plus d'interprétation, plus de mauvais sentiments les uns contre les autres. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Ce n'était pas frère Hunt qui a dit Amen, c'était le Saint-Esprit qui a dit Amen à ça. Alléluia. Alléluia. S'ils pouvaient seulement voir cela ce soir, bien-aimé. Oh là là. Quelle histoire d'amour nous aurions. Alléluia. Toutes les murailles effondrées. Et tout ce que Christ était là déversé dans l'Église, un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Oh là là, je crois que le message atteint son but. Je sens que c'est entré. Malachi 4 était la pierre de fête. Et nous sommes l'épouse, parole, le corps, pyramide. Oh là là.
Here's the third question. How Voici la troisième question. Comment pouvons-nous devenir les semences du super signe? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? C'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Frère Branham a prêché ceci à Tulsa en 1960. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? C'est ce qu'il a demandé à Tulsa. Mon Dieu. Quote. Citation. Oh, come, Lord Jesus. Oh, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Si l'œuvre n'avait pas été abrégée, il n'y aurait aucune chair sauvée. Certainement, Seigneur, nous le voyons aujourd'hui et nous le voyons ce soir. L'écroulement, le refroidissement, oh, puissions nous échapper à cette Babylone, qu'elle puisse sortir et resplendir. Puisses-tu remplir de la puissance de Dieu, que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, pour accomplir la grande œuvre de Dieu et tirer ceux qui sont ordonnés à la vie éternelle. Accorde-le, Seigneur. Je prie, Père, que tu réveilles les gens et qu'ils sachent que nous vivons comme dans Sodome et Gomorre moderne. Accorde-le, Seigneur, qu'ils voient ça. Cet ange qui a été promis pour visiter dans la chair humaine, et nous savons que cet ange, c'est le messager du ciel, le Saint-Esprit. Et il est ici pour nous donner une manifestation. Comme frère Dave a donné l'invitation pour la manifestation. Il s'est écrié dans le dernier jour. Et c'est le dernier jour. Alléluia. C'est lui qui veut agir à travers nous, la volonté de Dieu, pour appeler une église, accorde le Seigneur. Envoie-le à nouveau ce soir. Envoie ce grand Elohim qui est descendu là, dans la poussière et qu'il s'est fait connaître. Parce qu'il a parlé, il a pu parler à l'homme à travers la poussière. Viens utiliser nos 16 éléments. Utilise nos yeux, nos oreilles, notre nez, nos pieds, notre langue, nos 16 éléments. Pour marcher en nous, parler en nous. Pour parcourir la rue, mais trouvez-moi un homme. Trouvez-moi un homme. Et il a trouvé cet homme prédestiné, William Marion Branham. Il y en a qui l'appellent peut-être un drôle de gars du Kentucky, mais moi je l'appelle Élie. Alléluia. Alléluia. Un sacrifice. You may be seated. Then that Pentecostal minister, that Brother Branham, ce ministre pentecôtiste que frère Branham avait béni là, et puis dans le temps du discernement, un jour il m'a téléphoné, il a dit, frère Coleman, tais-toi et réponds à ma question. Qu'est-ce qui est arrivé au Texas? Ne l'explique pas, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, est-ce que le corps de frère Branham n'était pas là au Texas par terre? Et puis, le dos brisé de sœur Branham. Il a dit, n'explique rien, il a dit, si tu peux m'expliquer pourquoi il était là par terre dans cette voiture au Texas, alors je croirai qu'il est un prophète. Amen. Oh là là, en 1965, gloire au Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a dit, le cri du roi est dans le camp. Pour moi, c'était un sacrifice pour vous et moi, pour ce jour, afin que nous puissions mourir à nous-mêmes. Les choses que nous apprécions aujourd'hui, il a dû mourir à lui-même, à son esprit américain. Et que nous continuons d'apprécier nous-mêmes, mais un jour, ce sera fini, nous serons comme Jésus. Oh là là, j'ai presque terminé. Gloire à Dieu. Il s'est fait connaître parlant à l'homme au travers de la poussière et utiliser cette poussière ici, Seigneur. Utilise cette poussière ici, Seigneur. Pas cette poussière souillée, mais utilise cette terre, cette consacrée pour toi. Cette poussière sanctifiée par le sang de Jésus. Utilise-les, Seigneur.
See why we say be sanctified, come out of the world so Christ can use you. Voyez-vous, sortant du monde, afin que Christ puisse vous utiliser. Comment pouvons-nous devenir les signes de la super semence royale? Utilise cette poussière qui est ici, Seigneur, qui a été consacrée pour toi. Tout d'abord, votre poussière, votre terre doit être consacrée. Et puis vous entrez dans l'atmosphère et vous vous préparez pour que Christ puisse vous utiliser. Utilise le Seigneur, comment cela pourra-t-il se faire? Un super signe. Dans le message de super signe, voilà comment cela peut se faire et je termine. La troisième question, nous avons la réponse par le prophète, par la parole révélée. Gloire. La semence d'Abraham, alors il doit être la semence d'Abraham. La semence de la femme qui devait briser la semence du serpent. Mais Abraham, il avait la foi en Dieu, unissant l'Esprit de Dieu avec la chair de l'homme. Voilà comment cela se fait. Par la foi, une semence prédestinée. Merci Seigneur pour les attributs de se connecter à nouveau. Gloire. Si vous pouvez le saisir, il avait la foi en Dieu, unissant l'Esprit de Dieu avec la chair de l'homme. Voilà où vient la foi. Voilà pourquoi il devait pouvait être la semence d'Abraham, pas toute la chair, mais l'union de l'Esprit avec la chair, en déracinant tout le mal, en sanctifiant cette poussière. Gloire à Dieu. Bring it into submission the flesh. En amenant la chair en soumission, en consumant cette chair, en amenant captive toutes les pensées opposées à Christ pour cet âge, pour ce jour. Gloire à Dieu. En l'amenant la chair en soumission, la poussière qu'il a créée. Qui es-tu, toi, homme, qui répond à Dieu? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Faire ceci, cela. Qui sommes-nous? Il nous a créés. La poussière qu'il a créée. Et là où il veut vivre comme partenaire. Elohim, voulant être un partenaire avec vous et moi. Et marcher comme Enoch. Oh là là. But Abraham had faith. Mais Abraham avait la foi en Dieu, c'était la véritable semence, unissant l'Esprit de Dieu, le véritable Saint-Esprit avec la chair de l'homme. Voilà comment cela se fait. Voilà où vient la foi. Voilà pourquoi il pouvait la semence d'Abraham, pas toute la chair, mais la chair d'Éphésiens, prédestinée à l'adoption. Voilà cette chair-là. Amen. Gloire. Dieu lui-même, s'unissant avec la semence royale, avec l'Esprit de Dieu, venant dans notre foi. Le prophète l'a déversé en nous, là, le message pour ce jour, l'onction de cette parole, pour venir dans cette réunion ce soir, pour savoir que nous pouvons être guéris, scellés, réemplis. Nous avons la parole correcte avec l'onction dessus. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. Tout peut arriver. Les infirmes peuvent marcher. Gloire à Dieu, sortir des chaises roulantes. Les yeux aveugles peuvent s'ouvrir parce que nous avons cette sorte de message et cette sorte d'onction. Gloire à Dieu. Dieu lui-même, arrachant les racines du mal, amenant la chair en soumission et vivre avec vous comme partenaire. Alors nous devenons un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Oh vous, semence royale! Levez-vous et emparez-vous des portes de l'ennemi. Alléluia. Encore une citation. Alléluia. Oh, alléluia. Page 159, Jehovah Jireh. Dans Jéhovah Jireh. Paragraph 140, maybe seated. Now when that light struck little Rebecca, lorsque la lumière a touché la petite Rebecca, elle savait quelque chose en elle. La foi qui l'avait amenée vers Isaac. Elle s'était voilée la face. Et puis l'imagination, le raisonnement, tout ça s'était voilé. Son esprit était voilé. Gloire. Il ne voulait plus avoir affaire avec sa pensée. Isaac était sa pensée. Et après ce soir, la pierre de fête sera votre pensée. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Glory. Et l'Église elle-même, lorsqu'elle arrive à cette puissance de Dieu, Seigneur, envoie ça ce soir. Le baptême du Saint-Esprit. Hors des églises dénominationnelles, écoutez le prophète prophétiser ici. Comment il prophétise? Seigneur, quand cette puissance touchera le baptême du Saint-Esprit, hors des églises dénominationnelles catholiques, où que ce soit, et c'est nous ce soir, quand ce baptême du Saint-Esprit sera réel pour les gens, lequel, la naissance, non, le Saint-Esprit lui-même, le merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit, c'est de ça que je parle ce soir, c'est lui que j'attends ce soir, pour vous sceller et vous donner la puissance et vous guérir, gloire à Dieu. Alléluia. Quand ce baptême du Saint-Esprit sera réel pour les gens, alors ceux qui sont prédestinés comme vous ici à la vie éternelle, quand ils le verront et qu'ils marcheront là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est un super signe possédant les ports de l'ennemi. Le voir, pas simplement regarder bouche bée, mais marcher là-dedans, entrer là-dedans, nager là-dedans, réjouissez-vous et dansez là-dedans. La semence royale devenant la manifestation de la super semence et ta semence Christ s'emparera des ports de l'ennemi. L'alliance de la grâce d'Abraham. Je termine. Abraham's grace covenant. L'alliance de la grâce d'Abraham, une grâce étonnante. Adam a échoué. L'alliance de Noé a échoué. Mais nous sommes maintenant dans la grâce étonnante. La grâce qui ne peut pas échouer. Si Dieu fait quelque chose pour nous, ce ne sera pas à cause de nos prières ou qui que ce soyons, mais c'est à cause de sa grâce. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. L'alliance de la grâce d'Abraham, je l'ai déjà fait. Dieu a fait une alliance avec lui-même, en vous. Alléluia. Il a fait une alliance avec vous, lui-même en vous. La semence, la parole, le Père. Et voilà avec quoi il a fait une alliance. Alléluia. Et il a juré par lui-même. Alléluia. Oh là là. Il a juré par lui-même de le garder. La semence royale d'Abraham. Vous ne faites marche arrière par aucune promesse. Dieu l'a fait, que cela soit. Il a juré. Dieu a juré qu'il allait vous sauver. Il a juré qu'il allait vous guérir. Il a juré, quand vous viendrez dans cette ligne de prière, il fera quelque chose pour vous. Il va traverser votre âme. Il va laisser une portion de son être. Une portion de ses bénédictions en vous. Il a juré. Amen. Oh, vous, semence royale d'Abraham. Vous, super signe, Dieu et l'homme ensemble. Et ta semence, Christ possédera les portes de l'ennemi. Alléluia. Si la semence naturelle d'Abraham, la semence naturelle, Moïse et Daniel et les Hébreux et Samson ont pu posséder la porte de ses ennemis. Mon Dieu, Moïse a possédé les portes de la mer rouge et Daniel dans la fosse aux lions où le feu a fermé la bouche des lions. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien plus la semence royale, ce signe aujourd'hui, peut-il posséder les portes de la guérison ce soir? Posséder les portes qui vous empêchent d'accéder au Saint-Esprit. Il peut posséder cette porte ce soir. Je serai rempli. Je serai guéri. Je serai scellé. Je serai rempli. Oh, vous, signe de la super semence. Il a déjà juré ce soir. Et il a dit, je garde chaque promesse. Mes paroles ne reviendront pas à moi sans effet. Alléluia. C'est une parole promise. Une parole parlée. Les pensées de Dieu qui deviennent création lorsqu'elles sont parlées par une parole. C'est lorsqu'il vous présente comme une pensée, le prophète le dit. Dans le septième psaume. Numéro 2, votre pensée. Numéro 3, cela vous est révélé.
Numéro 4, c'est encore une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. Chaque promesse révélée par Malachi 4, acte de 38, quoi que ce soit, c'est votre pensée jusqu'à ce que vous la parliez. Et toutes ces promesses de la super semence, c'est votre pensée, mais ça reste une pensée et rien n'arrivera dans votre église ou en vous jusqu'à ce que le ministre parle ces choses. Et alors quelque chose se passe. Moïse a dit, des mouches. Pourquoi crier, parle? Est-ce que c'est ça, vous, frères, que vous avez fait pendant tout ce temps, parler ces promesses? Oh, je vois maintenant. Vous parlez les promesses. Qui crée une atmosphère. Et Dieu aime cela. Il s'unit avec la foi. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. L'esprit, pourquoi est-il là? Et ils ne font rien. Mais oui, ils le croient. Et Dieu descend, et il vient s'unir, et cela lui plaît. Ainsi, chaque promesse dans le message de Malachi 4, c'est encore une pensée jusqu'à ce que le croyant le parle. Et le message clé pour cette convention, 1985, Action de grâce, et la dynamique, parler la parole seulement. C'était Frère Wesco. Maintenant, comment pouvez-vous imaginer cela, Frère Wesco? Certains pensaient que Frère Wesco allait prêcher pour que vous soyez heureux, mais un homme de Dieu s'est avancé là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous n'allez pas prêcher pour que je sois heureux? Il a dit, parle la parole. Pourquoi crier? Parle. Vous avez vu un autre frère Wesco, n'est-ce pas? C'était une semence royale d'Abraham. Loin pour être ici. Oh, certainement, il connaît la dynamique. C'est un signe pour vous. C'est un signe pour nous, les gens de couleur, qu'il y en a d'autres qui vont venir. Gloire à Dieu. Ce n'est pas encore allé vers eux, mais cela va arriver. Gloire à Dieu. Chaque semence prédestinée de Dieu ici dans ce monde, ou cette nation, ils viendront. Et il y a encore de la place. Mon maman, mon papa est là, ma maman est là, et il y a encore de la place. Dieu n'oublie rien, gloire à Dieu. Alléluia. Croyez-le. Vous, semence royale d'Abraham. Alléluia. Parlez la parole. Parlez seulement la parole. Un super signe, Dieu et l'homme ensemble. Alléluia, gloire au Seigneur. Allons, vous, semence royale, emparez-vous des portes. Une super race, une super épouse qui connaîtront leur Dieu et feront des exploits. Parlez la parole seulement, qu'est-ce que c'est? La manifestation du signe de la semence royale. Ésaïe 28, j'ai mis en Sion comme fondement une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui croit ne se hâtera point. Maintenant, c'est le temps de danser, c'est le temps de crier. Et frère Belomo va chanter, j'ai mis en Sion. Oh, j'ai envie de crier maintenant. Pourquoi? Parce que je sais, vous allez être guéri. Je loue le Seigneur. Parce que vous allez être baptisé du Saint-Esprit. Je crie, je loue le Seigneur. Ainsi nous devons pousser des cris premièrement. Parce qu'ils ont chanté, loué le Seigneur avant de recevoir le Saint-Esprit. Ainsi nous allons chanter, pousser des cris. Et puis vous allez passer dans la ligne de prière. Gloire au Seigneur. Croyez-vous cela? Gloire au Seigneur. Le feu est ici. Vous ne pouvez pas arrêter le feu. Quel temps, quelle saison. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Recevez l'onction. Recevez la parole de Dieu. Seigneur Dieu, scelle-les, guéris-les. Délivre-les. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Encore une fois, Seigneur. Hallelujah. Oh, alléluia.
Zion for a foundation. Oh, worship Him for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall not fail. I lay in Zion for a foundation. I lay in Zion for a foundation. A stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. Oh, a tried stone, a precious cornerstone, he that believeth shall not you. Hallelujah! Oh, a tried stone, a precious cornerstone, he that believeth. Oh, sisters, would you sing it? Join in. A tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. A tried stone, a precious cornerstone, he that believeth. I want everyone to turn around, shake hands as the musicians play it. Cornerstone, he that believeth shall not fail. Cornerstone,
a sure foundation, a sure foundation, a tried stone, a precious cornerstone. He that believeth shall precious cornerstone, he that believeth shall not wait.